Il y a un pile de choses que nous pouvons partager ensemble avec vous. Dans la cadre Parce que, il faut que nous connaissons ce qui a passé dans nos pays. Et, naturellement, il y une délégation, une machine code diplomatique une machine gros qui qui débarquait dans le grand quartier général, Force Américaine d'Haïti, qui trouvait les sous-chefs de masse jeudi. Et, nous pouvons poser la question. Qui est-ce qui était dans machine, ça y est Qui ça, il était venu régler dans le grand quartier général, sous chef de masse là. Mais entre-temps, comme dossier s'achève, Conseil de sécurité nationale Nations Unies, les réunis, mais de fait, e nous nous le courir faire entendre l'intervention actuelle pour l'éminence ministre, qui c'est le docteur Dari Koni, on attendait intervention dans Nations et puis par la suite nous avancer avec la programmation et tout d'abord salut salue chaque grand nous qui a tendé qui a regardé émission quelque soit côté sur la terre va prendre nous partager commenter like et puis abonner avec la plateforme youtube et puis commenter qui ton commentaire pour nous parler avec chef de gang criminel assassin qui le pierre espérance parce que l'extrêmement extrêmement important pour nous parler avec Volo, ça pour nous parler avec terroriste ça pour nous parler avec chef de gang ça haïti gon grand monde après commandant Guy Philippe, et deux grands mondes. Parce que pays dit monde, nan dit le pays a trois mondes, Là, dans On général. En comme ça. Trois monde, y a trois mondes. Quoi m'souvle De vous gagnez yo comme dirigeant dans pays d'Haïti, pas de moyens pour parler espoir, etabli, de l'espoir. Établi. A stabilité, de sécurité. Premier, le Guy Philippe. Deuxième, M. Maitre luc Mandelil. Troisième, le Jean-Ennès Muscadet. Mais de trois mondes ça y'a eu pour Dans la chaîne sécurité pays, a, pour que si Haïti va aller en souffle. Je dis à la même. Alors tout d'abord, on a tourné sur ça. On a entendu le premier ministre Gary qui a la parole. Dans le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Et nous prenons le Docteur Gary Coney, qui prend la parole. Et dans le Conseil de Sécurité des Nations Unies, je qui c'est le 3 juillet. En avance. Et à l'heure, Dr. Et tout à l'heure, est-ce que c'est OK? OK? Voilà. Et tu comprends la connexion? Et OK? Et voilà, on a pu arranger ces euh, problèmes à bout, le plus possible. Nous allons essayer encore. Nous allons essayer, c'est très important. ok? Je commencerai évidemment par reconnaître de sécurité. Je commencerai évidemment par reconnaître la présence à la salle du ministre des Affaires étrangères dominicaines, M. Alvarez, de la représentante du Canada, de la représentante de saint Kitts et Nevis et évidemment de la, du représentant de Kenya. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du Biné, honorable membre du Conseil, c'est avec un sentiment profond de lourde responsabilité, un espoir renouvelé dans l'engagement d'Haïti à être actrice de son propre devenir que je partage avec vous aujourd'hui les aspirations des millions d'Haïtiens. En effet, malgré des années de lutte acharnée et de résilience inébranlable, notre peuple continue de se battre pour un avenir meilleur. Haïti, enraciné dans une histoire de courage et de liberté, est prête à tourner la page décisive de son histoire. Avant tout, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers l'ambassadeur de la Fédération de Russie, son Excellence Monsieur vassili Nemanzia, pour sa présidence du Conseil de sécurité ce mois-ci, et je lui souhaite plein succès dans l'exercice de ses responsabilités. Je tiens également à remercier la, présidente pré la, pré la présidence précédente, assurée par la République de Corée, pour son engagement exceptionnel et la gestion efficace des travaux du Conseil, qui ont renforcé notre mission commune. J'adresse un remerciement spécial au secrétaire général pour son soutien indéfectible envers Haïti depuis son entrée en fonction. Son dévouement pour la cause d'Haïti et sa volonté à travailler à nos côtés pour surmonter nos défis reflètent l'esprit de solidarité nécessaire à notre progrès. Sa présence continue et son soutien sont une source d'inspiration et de confiance pour le peuple haïtien. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité, <coughs> Je tiens aussi à exprimer mes sincères remerciements à Mme Maria Isabelle Salvador, représentante spéciale pour Haïti et chef du bureau intégré des Nations unies en Haïti, pour son rapport détaillé et sa présentation perspicace sur les récents développements en Haïti. Madame la représentante, votre analyse approfondie et vos observations critiques offrent une importante, euh, offrent une importante note de compréhension des enjeux actuels. Je remercie également les membres du Conseil pour leur intervention précieuse aujourd'hui. Votre dévouement et votre engagement en faveur de la stabilisation et du progrès en Haïti sont profondément appréciés. Nous sommes conscients des préoccupations soulevées par le rapport du BINU et partageons l'urgence de résoudre de manière durable les problèmes de sécurité exacerbés par l'activité des bandes criminelles. Ces défis menacent le tissu social et économique de notre pays et entravent nos efforts de reconstruction et de développement. Le rapport souligne également les progrès dans la mise en place de structures de gouvernance transitoires qui sont vitales pour la stabilité politique et sociale d'Haïti. Nous encourageons donc le support, le support du BINU dans l'appui du processus politique pendant ces périodes de turbulences politiques. Ce rôle reste important pour réduire les tensions, préserver et multiplier les espaces de discussion, encourager le dialogue inter-haïtien. L'établissement d'une collaboration solide et d'une coopération efficace entre les autorités nationales de la transition, la mission multinationale d'appui à la sécurité et le BINU. Demeure fondamentale et nous aidera dans notre mission de rétablissement de la sécurité et de restauration des institutions démocratiques qui sont des essentiels stratégiques de la transition. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité, la solidarité entre les peuples est rudement mise à l'épreuve par les conflits locaux, nationaux et internationaux. Près d'une trentaine de conflits majeurs affectent en ce moment les populations, provoquant ainsi de graves crises humanitaires. Et des nombreux corps de personnes déplacées. Pourtant, c'est dans ces instants fort difficiles que la solidarité tient sa quintessence. Haïti, tout au long de son histoire, a parfaitement démontré cette solidarité agissante entre les peuples. Tantôt initiatrice et tantôt bénéficiaire, la nation haïtienne, dès sa jeunesse, a toujours fait de la solidarité internationale un des piliers de sa vision du monde et de son engagement. Aujourd'hui encore, Haïti appelle à cette solidarité pour sortir de la crise qui ronge depuis plusieurs décennies et réussir aussi sa transition dont la durée et la mission se veulent très limitée. Chaque jour doit être mis à profit intelligemment. Voilà pourquoi, depuis ma désignation en tant que chef de gouvernement, plusieurs séances de travail ont été tenues. Avec le Conseil présidentiel de transition, les institutions de lutte contre la corruption et l'impunité, les forces de l'ordre haïtienne, le secteur privé des affaires, le Conseil électoral, les représentants des collectivités territoriales et évidemment les associations de la diaspora. Dans cette même perspective, plusieurs acteurs du gouvernement m'ont accompagné dans des rencontres stratégiques avec des bailleurs et opérateurs de l'international. Au vu des engagements qui s'annoncent, je joins ma voix à celle du peuple haïtien pour remercier ses partenaires techniques et financiers de leur accompagnement jusqu'ici pour l'avènement d'une Haïti meilleure. Plus que jamais, Haïti doit mobiliser toutes les ressources nécessaires et disponibles pour faire de cette transition la dernière et qu'elle puisse la placer sur la voie de la paix, de la sécurité et du développement durable. Ainsi, il est, il, il est de notre devoir de construire des partenariats solides et sincères en vue de trouver les stratégies adaptées tenant compte des aspirations du peuple haïtien. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement s'est bien la mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relatif à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtienne devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels. Cependant, Haïti doit échapper à la spirale des missions sécuritaires définitivement. Pour ce faire, il faut redéfinir les approches pour qu'au terme de la MEAS, le pays dispose d'institutions fortes et efficientes pour que nos partenaires internationaux et nous autres éprouvions le sentiment du devoir accompli. Et pour gagner ce pari, mon gouvernement engagera une approche sécuritaire holistique et de proximité. Holistique, car il faut adjoindre de manière efficace le redressement économique et l'accessibilité des services sociaux de base de proximité, car il faut rétablir la confiance de la population dans sa police. Dans ce contexte, la réforme de la police nationale deviendra un élément indispensable. Notre situation exceptionnelle de sécurité nous commande une police de proximité capable de rétablir et de maintenir l'ordre public et la paix civile. Non pas en misant exclusivement sur la répression, mais aussi en s'appuyant sur la prévention et l'accompagnement. La réforme dont il est question couvrira les dimensions logistiques, opérationnelles et financières nécessaires à la mission de sécurité de l'institution policière afin qu'elle soit en mesure de protéger et servir convenablement la population. Nous entendons mettre en place, nous entendons mettre ainsi le cap vers la réconciliation police-population. <coughs> De sérieuses procédures d'assainissement interne sont déjà envisagées pour restaurer la confiance à cette institution qui doit être désormais crédible et efficace. Les forces de l'ordre haïtienne et la mission multinationale d'appui à la sécurité ne peuvent à elles seules garantir cette paix définitive qui se veut être le paradigme de ce nouveau gouvernement. Faire de la sécurité la question de chaque village, de chaque communauté doit impliquer le soutien de la population. C'est la raison pour laquelle je préconise l'élaboration d'un plan global intégré et réaliste pour accompagner la population. Celui ci doit, celui -ci doit prendre en compte l'établissement d'infrastructures adéquates et conformes aux normes de construction moderne, la réorganisation de certaines villes, la réhabilitation, l'implémentation de services sociaux de base fonctionnels et le développement de pôles d'emploi de, 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 et, et de développement dans les communautés. Ce n'est que par cette voie que nous arriverons à rétablir une paix et une sécurité durable en Haïti. Cette approche holistique intégrée et réaliste, s'inspirant du courage et de la résilience du peuple haïtien, sera celle incarnée par ce nouveau leadership de la transition. Par conséquent, avec nos amis de l'international, il devient opportun de revisiter l'accompagnement accordé à Haïti. Cet accompagnement, qui est un devoir de solidarité entre les peuples, ne peut se limiter au contour des seules volontés de l'accompagnateur. Il doit faire de l'accompagné un acteur apte à appréhender les défis et à décider de son destin. Les difficultés auxquelles est confrontée, à, la, les difficultés auxquelles est confrontée à Haïti sont énormes, avec un taux d'inflation qui déplace les 27 près de 50 des emplois, emplois perdus, rien que dans le secteur textile, une insécurité alimentaire qui affecte 4,5 millions de personnes, sans compter les 600 000 déplacés internes et les 500 000 enfants déscolarisés. Le pays est en proie à une violence qui paralyse le fonctionnement de dizaines d'hôpitaux et de centres de santé. Des dizaines de commissariats et de centres d'incarcération ont été endommagés ou détruits. Des milliers de prisonniers sont en cavale. La liste pourrait être plus longue. Cependant, la volonté de travailler à la résolution de ces problèmes urgents, manifestés par les principales parties prenantes de l'accord du 13 avril, laisse transparaître l'espoir. La collaboration entre les différentes parties prenantes a créé une atmosphère de travail apaisée permettre au Premier ministre, en accord avec le Conseil, président, de, le conseil des présidents, d'arriver à constituer un nouveau gouvernement inclusif, réduire le train de vie de l'État, instituer des ministres délégués, nommer un nouveau directeur général de la police et accueillir le premier contingent de la mission multinationale. Cette gouvernance partagée entre des acteurs politiques, économiques et de la société civile, facilitée par les partenaires internationaux, dont la CARICOM, qui n'a guère ménagé ses efforts à travers ses éminentes personnalités, Démontre qu'il a, qu a été fait le choix le plus adapté au contexte explosif qui sévissait sur les choquets politiques haïtiens. Cependant, la méfiance, la fragilité et les tensions latentes qui sous-tendent la dynamique politique haïtienne ne doivent en aucun cas être sous-estimées. Nous sommes une jeune démocratie qui ne cesse de s'écorter depuis des années de la gouvernance démocratique. De ce fait, une alerte en permanence s'impose pour sauvegarder les rares acquis. Aujourd'hui, la transition en cours tout en s'inspirant de la feuille de route délimitée dans l'accord du 3 avril 2024, doit être celle devant paver la route à la fin de cette période transitoire, démo, transitoire entamée depuis trois, trois décennies. Et ce, par des réformes institutionnelles et légales, d'une part, par la création d'atmosphères propices au relèvement économique et à l'organisation d'élections non contestées, d'autre part. Tout accompagnement des partenaires internationaux devra prendre en compte la vision du gouvernement de cette transition pour que plus jamais Haïti ne replace dans le. Chaos. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil, il n'existe pas de fatalité haïtienne. La situation qui prévaut en Haïti est la résultante d'une politique séculaire séparant l'État de la nation et qui, du coup, fait abstraction de la résilience, de la ténacité, de l'empathie et de la générosité du peuple qui aspire au bien-être. Ainsi, une synergie et une solidarité locale et internationale deviennent incontournables. Au cours de ma carrière de fonctionnaire des Nations Unies, j'ai observé une multitude d'initiatives internationales visant à soutenir le développement et à stabiliser dans les pays de crise. Haïti en particulier a bénéficié de diverses formes d'assistance internationale, chacune conçue avec l'intention de remédier aux multiples crises que nous avons affrontées, des catastrophes naturelles aux crises politiques et économiques. Malgré cette aide substantielle, les résultats à plusieurs égards restent insuffisants. Il est grand temps qu'Haïti et ses partenaires se posent une question fondamentale. Qu'allons-nous faire différemment? À cette question, je peux déjà vous dire qu'en Haïti, nous avons pu commencer à assembler des hommes et des femmes honnêtes, responsables, courageux, compétents et qui inspirent confiance. Ce leadership s'engage à réaliser des élections transparentes et participatives en vue du renouvellement du personnel politique et de suivi efficace et dynamique. Ces élections contribueront à l'avènement de la stabilité politique et institutionnelle. Pour ce faire, elles seront encadrées en amont d'un processus de réforme constitutionnelle, de révision du cadre légal sur le fonctionnement et le financement des structures politiques, d'appui à la bonne gouvernance, de renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption et l'impunité, et de développement d'une stratégie sécuritaire police population, de la modernisation de l'appareil judiciaire et de la mobilisation de la population pour une participation massive, notamment les jeunes et les femmes, dans le processus électoral. Comme annoncé plus haut, nous allons favoriser une approche plus intégrée et plus stratégique, en impliquant tous les acteurs, gouvernementaux, non gouvernementaux, internationaux, dans une planification et une exécution cohérente. Nous allons également nous concentrer sur la capacité à long, à long terme plutôt que sur les solutions à court terme, en renforçant les institutions locales et en soutenant les efforts de développement durable qui sont alignés sur les priorités spécifiques d'Haïti. En abordant la situation complexe et souvent tragique d'Haïti, il est essentiel de reconnaître que la responsabilité principale d'adresser nos défis incombe à nous, Haïtiens. Nous n'allons pas déléguer notre responsabilité. Cependant, nous reconnaissons aussi que les actions et les politiques internationales ont façonné et continueront de façonner le contexte dans lequel nous luttons pour la stabilité et le développement. Cette reconnaissance mutuelle de responsabilité partagée est cruciale. Alors, je vous rappelle okay, que jeudi en 3 juillet 2024, c'est l'intervention du premier ministre, Dr. Gariconi, dans une réunion ça qui fait dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, jeudi en même... Et dans New York City, en outre des interventions pour le ministre Dr. Garigoni et dans l'occasion Pour établir un partenariat respectueux et efficace, capable de soutenir Haïti dans la construction d'un avenir meilleur, tout en respectant notre souveraineté et notre droit à l'autodétermination. C'est une ère de reconnaissance pour Haïti, marquée non seulement par le désir de surmonter ses adversités, mais aussi par des actions concrètes qui unissent notre engagement envers la paix durable et le développement. Nous appelons la communauté internationale à reconnaître et à soutenir cet élan en collaborant de manière constructive et respectueuse pour accompagner Haïti sur le chemin de la récupération et du renouveau. Monsieur le Président, Madame, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, en ce temps critique, alors que nous accueillons de nouvelles forces de sécurité internationales en Haïti, il est essentiel de rappeler que notre histoire avec les interventions étrangères est teintée d'expériences contrastées. Bien que certaines aient apporté un soutien et stabilité, d'autres ont malheureusement laissé des souvenirs douloureux en raison de violations des droits humains et d'un manque de respect pour la souveraineté et la culture locale. Ces événements passés ont à plusieurs reprises exacerbé les défis plutôt que de les résoudre, laissant une empreinte indélébile sur la mémoire collective de notre peuple. Aujourd'hui, nous nous tenons à point de convergence entre le passé et l'avenir, où chaque action et chaque décision doivent être guidées par les leçons apprises. Nous avons une opportunité unique de redéfinir notre collaboration en veillant à ce que toute assistance étrangère soit conduite avec le plus grand respect pour les principes de transparence, de responsabilité et surtout en harmonie avec les aspirations et les besoins des Haïtiens. En avançant, nous devons mettre en place des mécanismes qui assurent non seulement la sécurité, mais aussi la dignité et le respect de notre peuple. Cela nécessite une coordination étroite et une communication constante entre toutes les parties impliquées pour assurer que les erreurs du passé ne se répètent pas. Notre pays est à un tournant crucial de son histoire. Nous nous trouvons devant un défi colossal, mais aussi une opportunité sans précédent de restaurer la paix et la sécurité dans notre relation. L'arrivée récente du premier contingent de la mission multinationale d'appui à la sécurité marque le début d'une ère pour Haïti. Cette mission conduite avec le soutien de nos frères et sœurs kenyans, que je remercie du fond du cœur, est un témoignage vibrant de la solidarité internationale et un pas concret vers la stabilisation de notre pays. Nous allons reprendre le contrôle du territoire haïtien, maison par maison, quartier par quartier et ville par ville. Ce n'est pas juste une opération de sécurité, c'est une renaissance de l'esprit national, un renouveau de notre engagement envers l'ordre, la justice et la paix. Nous renforcerons nos capacités, non seulement en termes d'équipement, mais aussi par la formation et le renforcement des compétences de nos forces de l'ordre. Dans cette démarche, nous sommes guidés par une stratégie bien définie et une volonté de coordination sans faille entre toutes les parties prenantes, tant nationales qu'internationales. Notre approche est stratégique et mesure chaque pas vers la libération de notre territoire des griffes de la criminalité. Cette stratégie, en cours d'élaboration avec le Conseil de transition, s'appuie sur, sur les principes de rigueur et d'efficacité pour garantir la sécurité de notre pays. Haïti porte fièrement le flambeau de la liberté qui a éclairé le chemin de l'émancipation bien au-delà de ses frontières. Notre lutte héroïque pour l'indépendance a non seulement brisé les chaînes de l'esclavage, mais elle a également inspiré d'innombrables peuples de se lever pour leurs droits inaliénables à l'autodétermination. Aujourd'hui, en dépit des défis formidables que nous affrontons, l'esprit indomptable de nos ancêtres continue de nourrir notre résolution. Votre soutien continue. Votre foi en notre peuple et votre reconnaissance de notre souveraineté ne sont pas seulement appréciées, ils sont essentiels. Ensemble, avec courage et intégrité, nous pouvons transformer Haïti en un exemple de résilience et de renaissance. Pour conclure, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, permettez-moi de vous dire qu'Haïti se tient à l'aube d'une ère nouvelle, nouvelle. Notre résolution reste inébranlable et notre espoir indomptable. Dans cet esprit, nous appelons à la solidarité mondiale, non seulement en reconnaissance de notre lutte euh, commune pour la dignité humaine, mais aussi parce qu'il est du devoir moral de la communauté internationale d'accompagner ceux qui aspirent à un avenir meilleur. Ensemble, avec l'appui continu et renforcé de nos partenaires internationaux, Haïti progressera vers la paix durable, la stabilité et la prospérité. C'est par notre collaboration et notre engagement mutuel que nous pouvons transformer les défis d'aujourd'hui en des victoires de demain merci de quoi en haïti de quoi en notre capacité à surmonter à reconstruire et à prospérer ensemble écrivons le prochain chapitre un chapitre où chaque haïtien aura la possibilité de vivre dans la sécurité la prospérité la dignité un chapitre où chaque haïtien redevient l'acteur principal de son propre devenir je vous remercie voilà et c'était pour émener docteur Conny qui était fait discours ça jeudi la même. Conseil, devant l'Assemblée générale, alors devant le conseil, conseil de sécurité, le Conseil de sécurité des Nations Unies, hein, parce que n'oubliez, c'est des Conseil permanent, le Conseil permanent qui fait partie des conseils de et des Nations Unies, et aujourd'hui, on était réunis, et c'est Haïti ce qui était à l'ordre du jour. Le Premier ministre a fait déclaration sur ça, et j'espère que nous avons gagné des commentaires sur lui. Mais c'est naturellement pas la suite. Et alors, il y a un premier ministre qui est extrêmement important pour nous connaître. Il y a 12 000 personnes qui prennent 12 millions haïtiens en otage. Parole ça fort. Et ça doit faire débat. Il est extrêmement important. Nous est capable de dire tout. Si 12 000 personnes prennent 12 millions haïtiens en otage, il n'y a pas 12 000 seulement. Il y a environ 20 000 à 25 000 personnes qui prennent Haitien en otage j'aime bien qu'elles n'aient pas été politiciens là-dedans. Et comme ils ne doivent pas... Et... Ils ne doivent pas... Ok? Et... Comme ils ne doivent pas... Pas qu'à 10 messieurs directement. Et... Ok, Dibag a démission directement. Peut-être que le tout et Dibag à la globale, même parce que si il y a politiciens politiciens là-dedans, parce que naturellement, il ne parler de 12 000 seulement. Parce que quand il peut-être pas, il n'y peut-être pas personnellement. Y a plus passé en vingt mille. gagnez ne peut-être pas en 20 000. Ok? Yo plus passé en vingt mille. 12 000 moun prend 12 millions en otage. Et oui. gagne Yo. On 20 000 moun qui prend 12 millions d'Haïti en otage. gagne 11 familles qui prennent, aïti, qui prennent 12 millions d'Aïtien en otage. Il y a des politiciens qui prennent Haïti en otage gagner et mais politiciens et gang à cravate qui est dans le secteur privé et puis gang à sapatio qui mon actuellement là dans la commune grecienne. Ils prennent Haïti en otage, d'accord Ça veut dire que PM PMN, alors je pense que sinon, comme on va tout tout si on capable garantir garantie, on espère qu'on attaque le problème à tous les niveaux. On espère qu'on attaque le problème à tous les niveaux. P.M. M. Garikoni, il y a des gens qui sont capables, oui, il y a des qui sont capables. Évitez plein, il y a On qui capables. Nous avons des discours là. Et nous-mêmes, ce qui est important pour nous pour le moment, c'est l'action. L'action concrète. E pou 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 et pour nous Pour nous tendre, allons pour nous réquiffer, pour que nous soyons capables d'organiser nous, pour nous aider les pays à sortir l'autre difficile. Effectivement, quelle nouvelle là C'est c'était être pour bon de mettre. C'est une volonté bon côté, un dirigeant, tout haïtien capable de mettre toutes les différences de côté pour nous dire que l'heure est grave, l'IE extrêmement grave. faut que nous fassions dépassement de soi parce que la dominicaine a fait en 1994. Oh, monsieur, OK. Joaquim Balaguel... Peña Gomez, comme si un dépassement de soi qui est fait, tu as un sacrifice qui est fait pour la Dominicanie... C'est comme si à l'époque, pour nous être capables de jouer en c'est comme si nous deux groupes qui nous diriger la Dominicani. Nous font fait un mandat présidentiel en deux. Pour être capables de en jouer pour mettre la stabilité dans le pays. Et nous avons fait là avec tout eux mêmes Nous avons fait là avec tout nous, tout yon, tout nous, tout tout nous. avons fait Et depuis le ça, de 1994 à 2024, qui fait 30 l'année, la Dominicanie est convaincue. Le pays a démarré. Le pays a une stabilité politique enragée. Il y a sécurité dans le pays. On peut a tout problème, oui, pas que a côté pas de problème de sécurité. il y a violence. Il y a plus de violence en an Dominicanie tout le monde connaît son pays mon fou on pays garçon pues l'amour la femme l'amour garçon me la oui la la oui la a trouver femme pour pour femme pour femme femme a trouver garçon pour femme garçon a trouver garçon pour femme comme si son pays mon fou ce que vous comprenez et toujours petit volé là-dedans mais ça il Haïti a il <mem> va exister en dominicané même dans le rêve pas gagner dominicané pas gagné les qu'est-ce que vous va prendre comme si pour quartier, pour faire 8 jours 15 jours 22 jours non de vous déranger l'État, l'État dérange. Parce que monopole violence là, c'est l'État qui gagne. Et ceci dans tous les pays du monde. Depuis l'État, c'est l'État qui gagne monopole violence là. Tout le vagabond est obligé de replier. bien, naturellement, en Dominicanie, c'est l'État qui gagne monopole violence là. Et ça va être facilité pour que l'État gagne contrôle toute situation. Ok? L'État gagne contrôle toute situation. Eh et bien, et en Dominicanie, Vagabond, criminel, assassin, pas qu'à décider comme si pour prendre zone, pour bloquer un quartier, pour faire tout sauver là-dedans. Ou pas capable. Yon décide de freiner ou, et l'état ou après l'état freinon. L'état freinon pour tout bon, et ou pas qu'à continuer. D'accord? L'irréel qu'on ou après pas qu'à continuer. Et ce qui est clair, pour tout le monde connaît, et ou décide de faire crime, nan, et bien de fait, y a des gens qui sont là, et yon a stoppé ou. Ok? Les ça stoppé ou stoppe ou yon prête toute disposition pour yon stopper ou. Ça c'est bon Et c'est ça. Et un pile parole qui parle. Alors là aussi, là, là, les mêmes, les accusés et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Hein? Là aussi, même dit que les Nations Unies pas faire rien réel avec section. Hein? L'autre bagaille que les Nations Unies et, et là aussi dit que. Nations Unies n'a pas fait rien avec sanction, hein? juste sanctions. Et... Alors, je suis capable de dire, résolution qui a été prise pour prendre sanction contre les femmes qui ont pris des amis en Haïti, il ne pas fait exactement ça, je te dit à François Mavella. Parce que tu une résolution 2645 qui pas pas rentrée en application. Parce que naturellement, si toutefois Nations Unies mettait la résolution 2645 en application, je garantis, non, et ça va la priver là. ça, parce qu'on va oublier. Lorsqu'un bandit vous frappe, vous le frappez. C'est la catouche que C'est la munition que Si vous n'avez pas de munition, vous n'allez pas continuer. Vous n'allez pas continuer. C'est la catouche que Et automatiquement vous n'avez pas de munition, vous pas continuer. Vous avez la capacité pour que vous de frapper. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous stopper. Yo. Stopper, yo. c'est ça. Et stopper l'action. Docteur Garikoni, ou êtes-vous <laughs> J'espère que vous un jour rentrer avec bonne bonnes nouvelles. E tout moun wè ke... Bon, chita avèk mèm moun ou yo. Mèm ekip ou kon chita yo. Tare problem. Mèm ekip moun ou kon chita yo. Se moun pou yo ye. Yo ou ansama vè yo. E... Ou chita avèk tout moun pou chita. Mè souf avèk pebayise pou kou chita. Ou chita avèk tout moun pou chita. Souf avèk pebayise pou chita. Mè spè yo, fò koutèt wè al fònti chita avèk pebayise an tou. Lòk te koni. E mdare mwè al fònti chita... Avec euh, Aïsien, les paysans toujours. C'est est important. Les paysans, vous avez un peu de tête dans le monde. Je conseille de faire un peu de tête dans le Dr. un coup de dans le Nord. Il font très important. Il est très important. Il très important. Il très important. C'est très important. Il coup de pied dans la province Sou fèl la bon. Paske tout moun wè kò chita wèk. Et, et tout mèm moun podo presyo. Mèm asasen yo. Pepla li mèm. Li pa, pa bezon moun sa wò toujyo. Pepla bezon wè wò kap chita wèk di nouvel tèt. Di bon moun nan sosite. Paske gen moun. Gen bon moun. A la pouve sop joun bon moun yo. A la pouve sop joun yo. E sou chita la. Si avèk eh, mèm volo yo. Mèm gang nan podo presyo. Ebe mò chè pepla. Ape jis gado yapri. E zayi. A e lot baye nou. peuple a regardé et puis le peuple a appris. Parce que vous connaissez pas de sérieux qui régler. Parce que c'est toujours la même pratique. Vous comprenez? C'est toujours la même pratique. Pas, a a, et sérieux. pas a que, de sérieux qui a réglé. Mais j'espère que vous entendez le message. Et puis naturellement, vous faites exactement ce que vous faites. Parce que Chita, avec, même avez eu, même secteur privé avez tout même président Jovenel et m'estime que il va finir trop correct. Vous mm -hmm. comprenez Il va finir trop correct. Que le docteur connaît prend engagement pour responsabilité pour que naturellement il fait exactement ce qu'il veut le faire. OK? Évitez chiter avec ravette, évitez chiter avec criminel, évitez chiter avec chef de gang, Fait Yon lot bagay, chita avèk moun pou chita. Yon moun kou ka chita nan sosyte ya, e le pepla wè chita avè yo, ya apreke naturelman, wale nan bop wale ya. Men chita avèk kriminel sa yo, ki tout moun te konen nan l'ouest la, ki finanse manifestasyon, ki rentre zam nan peyi ya, ki fè tout mouvment gang nan peyi ya, e ou pa pi jom jen solisyon. E tout moun ap di ou pa serye, nan demachou yo. E, Mè spire lò tounen, Ou fait de l'autre côté... D'accord, PM. <laughs> D'accord, PIPM. <laughs> Docteur Koni. C'est ça. Et alors, gagnez une photo qui a sur toutes les réseaux sociaux. Quand vous montrez nous clairement, et citoyen sacré Moïse jean qui allez dans une fête dans l'ambassade américaine. So se nou fèt ambassade Ameriken E Tout moun yo Di kleman Moïse Jean Charles la exato, Se exactement moun sa ke liye Kounyam gampil moun ki wè lèm ki beto, fond, di mbeto Fòm da fè ou fòm Fòm ti tan de Moïse Jean Charles Le Moïse Jean Charles kon apatake Ambasade Ameriken Paske Moïse Te toujou Apatake ambassade Ameriken Mais je dis, qui est-ce nous naturellement et qui est dans la salle de réception de l'ambassade américaine C'est Maurice Jean-Charles. La population dit que a saisi. Il a saisi ce qui s'est Maurice Jean-Charles a fait américaine, gros manifestation, gros bagay qui qu'on a fait. C'est Maurice Jean-Charles qui a défilé devant ambassade américaine et mes populations population dit que Maurice Jean-Charles c'est pas n'importe monde ce c'est pas monde pour j'aime dans ensemble et me te dit ça oui surtout pour petit petits de ça qu'on a comment les les partisans de Jovnel de, de, de Maurice Jean-Charles dis Jovenel Maurice pardon